Donjon ténébreux. Allez, on est chaud. On y croit, on ne sait pas ce qui nous attend. Ça peut faire mal. Ça peut faire du bien. Il y a peu de chance. Attendez, je vais faire un truc. Tac! Yay! Hop! Alors. Alors, je... Bon. Bon, déjà, c'est très les étoiles. Ah, ouais, puis lui, il a déjà soif. Alors, est-ce qu'il va y avoir des combats sur le chemin? Oula. Alors lui, c'est le narrateur. Permission fantomatique apparaît. Est-ce vraiment lui? In all my terrible researches. What I sought was a glimpse behind the veil, a crumb of cosmic truth. I found it here, and in that moment of brain-blasting realization, I ceased to be a man, and became a herald, an avatar of the crawling chaos. D'accord. Ok. Bon. Continuons. On va peut-être avoir le dénouement d'une histoire formidable. Avec ce narrateur qui n'est plus un homme, mais un mec chelou. Un avatar. Faut prendre des trinkets de vertu. Là, tu peux pas prendre deux fois le même trinket aussi. Life feeds on life. In your petty pursuit of family redemption. You consume those who rally to your cause, and in so doing, you strengthen the thing, accelerating the end. This is as it should be. It is why you are here. Ouais, donc à force de forcer le destin, on se fait entuber. Très bien. Soit. Surtout que là, on est parti avec la team Kikou, donc. Je sais pas trop si on va s'en sortir, mais... je dois l'avoir, le trinket, en plus. Mais je l'ai qu'une fois et j'ai pas envie de la craquer, là, vu qu'on va sûrement se faire avoir. We are chained here forever, you and I, at the end of the world. Free yourself, rouse the thing, and embrace the ineffable cosmic hideousness that lives within us all. Alors, je tiens à dire quand même que le fond est très joli. J'aime beaucoup. Je trouve ça fort sympathique. Après, c'est vraiment bizarre comme on dit. Oui, c'est vrai. Bon, 1, 2, 3, soleil. You still foolishly consider yourself an entity separate from the whole. Riposte parfaite. Oula. I know better. And I will show you. Ok, donc on se bat contre nous-mêmes, c'est ça? Je sais pas, je le grabe. Immunisé. C'est pas grave. Ah ouais, mais... d'accord, ah oui. Ah ouais, mais... Ah mais c'est la merde. Il immunise à plein de choses. Bon, on va essayer de buter ses reflets. Hein, déjà. On verra bien ce qui se passera après. Je vais me mettre en position de tank. Le tank guérit tout. Ah. Et réunion. Ah, donc il fait stresser déjà. Déjà, on peut retenir ça. Ça fait stresser. Alors, le poison, c'est pas mal. Enfin, il me fait stresser parce que je dois avoir des trinkets dégueulasses aussi.
mais Et moi je m'en fous qu'il soit immunisé. En fait, ça veut dire que je peux pas le buter tant qu'il y a ses potes. La production sporadique. Bon, alors on va vite être confronté à un problème là, parce que voilà. Ouais. Mais il est immunisé. Faudrait que j'arrive à tous les buter en même temps. Ah ouais, d'accord, ouais. Il va être compliqué. Du coup. Il résiste au saignement, à l'infection. Le temps guérit tout. Ah non, il soigne des fois. Il prend cher en stress, lui. Hein. Bah écoutez, on va continuer. Hein. Qu'à faire, mettre du bon poison dans la tronche, un petit soin quand même, c'est bon, il y a vraiment faut soigner. Mais bon, c'est pas trop lourd. Ah oui, alors faut faire 10 ou moins, il me fait 9, enfin 10 ou plus, il me fait 9, merci. Bon, ça va le tuer ça. Ah d'accord. Ouais. Ouais bah non en fait. Ou peut-être qu'il faut qu'il se reproduise plein de fois. En fait. Je sais pas du tout. Bien, bah je sais pas. Bah deux oculis, ouais, je sais pas. Hein. Bon, pour l'instant, niveau stratégie, j'ai l'impression qu'on passe un peu à côté. Et là, le problème, c'est que le stress, il va monter et ça va pas aller. Ah mais regardez si, il a perdu un PV. En fait, à mon avis, quand il fait des reproductions imparfaites, il perd un PV. Du coup, c'est un combat un peu plus sur la durée. Et puis il faut de la chance, parce qu'il faut qu'il fasse des reproductions imparfaites. C'est ça, vraiment, quand ça va te prendre du temps. Ah ouais. Bah écoute, on verra bien. Bah oui, de toute façon, oui, j'ai ma soirée devant moi. La réunion sommet. Ça, je me dis, un bouffon, ça aurait pu être bien aussi. Pour le stress des examens. Ah, il va perdre un PV là. Non. Mais putain, comment il a perdu son PV tout à l'heure? Ah, bah non, parce que... Ah, oui, non, parce que je l'ai buté. Merde, putain, j'ai cliqué. Ah, oui. Ah, ouais. Ah, ça valait le coup, plus 25% de... Ah non, ah non, c'est pas lui qui a la bague, merde. Bon, oh, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, c'est pas parce qu'il est vénère qu'il est moins bon. Tu as buté la comtesse? Non. Non, je le fais après, la comtesse. Bah non, bah en fait je vais focus
je focus lui, quoi, puis voilà. Puis ça va être plié. À mon avis, il doit avoir d'autres phases ou d'autres trucs, parce que... on l'empoisonne, du coup. Bon, allez. Allez. La réunion au sommet. Voilà, par contre, s'il atteint 200, c'est crise cardiaque, donc faudrait qu'on se bouge un peu, quand même. Oui, quand même. Bon, ça va, il fait que des reproductions imparfaites. Le problème, c'est que je lui ai mis la marque, alors du coup, forcément, il se prend tout dans la tronche. Bon, écoutez, on va continuer comme ça, on verra bien. Très de ça, plus dur que la comtesse. Bon, on verra bien. Je sais pas ce qu'elle vaut, moi, la comtesse. Ah. Et là, paf! Ok, bon, encore une fois, puis c'est bon, non? Bon, Pierre, je me fais ça au calme. Hein. Hop. J'ai que lui pour soigner le stress. Enfin, il n'y a que lui qui se fait attaquer aussi. Finalement, je sais pas si un arme d'arme, ça serait cool ici. Ah merde, il en fait un normal. Ah non, il est pas normal. Tac. Donc alors là, avec le poison, il va mourir. Ah, il est en train de paniquer. Peut-être le soigner, non? Ah, oui, alors pour faire ça, non. Donc je vais dire mon stress un peu. Ah merde, putain, il soigne tout le monde. Enfoiré. La team Kiki peuvent... Bah j'en sais rien en fait. Je sais pas parce qu'on sait pas ce qui nous attend après. Nous sommes identiques. Ah bon. C'est pas ce qu'on m'a dit. Fait mal quand même l'homme d'armes. C'est pas dégueu. Pourquoi il joue jamais lui là? Pourquoi je fais des soins de merde? Oula! 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 Alors là, tout de suite, c'est moins fun. Ah, ça va, il... Ok. Bon, je vais me soigner, je peux rien faire de toute façon. Là, on va acheter une grenade. Grenade! Là, on va soigner. Il faut soigner plus fort, bordel! De toute façon, je vais essayer de la tirer, hein. Ah, bon, bah très bien. Bah si, ça tire tout seul. Je veux dire, tant mieux! Ah d'accord, il tente le stun, qui ne passe pas. Ça aurait pu passer! Tout détruire. Ah! Ok, donc il fait stresser tout le monde, donc... Bon, ça va... Ça va... Donc lui, il veut pas se faire soigner, c'est un petit con... Ouais, alors par contre, quand c'est pas les tanks, là, les soins, ça y va être nickel, quoi. Alors, on va tenter le stun grenade. Bon, on va essayer de le déplacer un petit peu... Un petit peu... Léger, quoi. Par contre, le saignement... Ben si, j'ai pris des bandeaux. Enfin, des bandages. Des bandeaux. Je peux rien faire. Non. Du coup, bah... Hop. Un petit soin. Alors, faut ça... Il n'y a pas de torche. Donc, tous les items avec de la torche, à mon avis, je me fais carotte. Accepter la futilité. Ok. Du coup, je retente. Ah, ok, ça l'a mis au fond. Bon.
Bon, c'est pas grave, ça me fait gagner un tour, on va dire. Du coup, je refais ça. On évite la crise cardiaque. Hein, du coup, c'est pas le but. Ah, oh, alors là, le soin à 1, là, on est vraiment sur du lourd. En fait, on a plus un oculiste d'attaque que de défense. Hein, c'est... Les miracles considérés comme à plus de 75, c'est vrai? Ah bah c'est bon alors, c'est nickel. Bah je vais tenter le grab, de toute façon ça me fait un peu de dégâts. À la limite, on retente le soin. 13, ok. Bah je vais taper. Faut en profiter, hein. S'il est prêt faut taper, hein. Parce que sinon je taperai jamais. Refaçonner. Ah. Ça a l'air de faire mal quand même comme, comme attaque. Hein, t'as la peau qui se barre et puis après qui revient, c'est pas fou. Il est trop loin. Du coup c'est chiant. Du coup on va se déstresser un petit peu. Bon bah le poison. Enfin c'est pour ça qu'ici par exemple une pilleuse de tombe ça aurait été nickel parce que ça peut attaquer sur toutes les positions. Je vais me soigner. Ah. Bon, bah au prochain tour alors. Au prochain tour alors. C'est vraiment dommage que je puisse pas le toucher avec ça. Bon, je vais le toucher avec ça du coup. Refaçonner. Ça commence à prendre cher là. Ah oh, on va peut-être avoir un décès. On va peut-être avoir un décès. Ah non. Je vais pas te forcer de faire ça quand même parce que... On va éviter de perdre des copains. Voilà, 14 c'est déjà mieux. On a combien? 6 par tour. Bon, on va profiter pour faire ça, on va le taper. Ah, 40, 43. 43 c'est pas mal. Combien là? 6 pendant 2 tours, pareil. Hop, petit bisou. Petit bandage bisou. Et mon docteur qui fait des dégâts. Bah ouais, mais le problème c'est que le docteur... Enfin, l'avantage du docteur c'est qu'il peut attaquer partout. Mais pas le reste. Plutôt mettre du poison. Tant qu'à faire. Refaçonner. Refaçonner. Manuel phare. Refaçonnons. Ah bah, y'a que ça qui peut le toucher. Capteur, c'est pas terrible. Et là, on va enlever un peu de stress. On va éviter que les autres persos pètent un câble aussi. Donc... Alors, par contre, c'est vrai que niveau soin, il est pas fou. Hein. Le petit bonhomme là. C'est pas son truc quoi. On le sent. Oh, puis il est retourné tout au bout, Jean-Michel. Bon, par contre, il a plein de poison donc. Voilà, le poison va le buter. Du coup, je vais me soigner. Là, à mon avis, il faut se préparer pour. Comment dire? La prochaine phase. Donc, on va pas l'attaquer, on va laisser crever. Ah, bah non, merde, il a 7 PV. Bon, bah, du coup, faut que je l'attaque. Ah, voilà! Là, par contre, là, à mon avis, on va commencer à rigoler. Alors. On va plutôt tenter les saignements, puis en plus j'ai des dégâts, donc on sait pas trop hein, ce qui va se passer. Mais ça va se passer, quoi. Dispersion. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, du poison pour tout le monde. Très bien. Écoutez, on va continuer à taper. Bon, il sûrement quelque chose là-dedans. Enfin, c'est un cœur en gestation. Non, il n'y a rien dans un cœur en gestation. On va pas de suite soigner le poison parce qu'on sait jamais si... Bon, si en fait, je vais le soigner. Je vais dire s'il remet une dose. Autant buter le cumulé. Musique qui s'arrête, ouais.
Suis tant que tu le peux encore. Mais non, parce que si je fuis, il y en a un qui va crever. C'est pas le but. Il est quand même vulnérable au stun, hein. Oh, le stun. J'ai raté. Dispersion. Alors maintenant, c'est deux autres qui sont... Oula, 7 ! 7, c'est beaucoup. Ah, 21 aussi, c'est beaucoup. Ah bah, ah quand tu l'attaques, t'as du poison. Ah d'accord. Ah ouais, c'est original. Du coup, on va vite le dégommer. Hein, parce que sinon, on va se faire avoir. Ah d'accord. Ok. Donc c'est pas le temps de niaiser là, faut le dégommer. Pourquoi? Pourquoi j'ai été soigné? Ok. Par le miracle du Saint-Esprit. J'ai été soigné. Ascension. Ah! Behold the heart of the world, progenitor of life. Genre je pouvais le buter ou pas? Alpha and Omega, our creator. Ok, là je crois qu'on est sur Big Papa là. Là faut y aller. Perforation. Ok. On va y mettre la petite marque. Rejoignez votre créateur. Ah. Ah non, j'ai pas envie. Je sais pas. Toi? C'est pas de la triche. Ah ouais, j'ai oublié l'antidote. Bien vu. Sachez ceci. Ah. Il m'a langué. Ah, j'en ai besoin, en fait j'ai besoin des deux là quoi. Lui il est marqué encore combien de tours, ok. Non bah là je... Faut que je le déglingue là. Faut que je le déglingue. Je pense que ça le fait. Ça va être juste, hein. Ah non! Oh, fils de... Oh. Faut envoyer du lourd, là. C'est pas le con! Ah, il va faire de la merde. Ok, c'est pas grave. Ah merde! Ah, je suis mal là. Je suis dans la merde. Et je peux rien faire. Je peux rien faire de plus. Ah, je sais pas, je peux le soigner. Ouais, c'est un peu dégueu. On va tenter... Oui, mais... ça fait mal. Ah, 21. Ça, c'est bien. On va pas aller trop vite. Et là, paf! Il n'y
Y a plus personne. Ouais. Avec l'équipe Mongolo. Fusion of errant flesh, multiplying, swarming, living, dying, until the stars align in their inexorable formation, and what sleeps is roused once more, to hatch from this fragile shell of earth and rock, and bring our inescapable end. So seek solace in a manner befitting your lineage, and take up your nugatory vigil, haunted forever by that sickening prose echoing through the infinite blackness of space and time. Ruin has come to our family. Ah, la pili. Ah, la pili. Oh, c'est beau.